to think I'm the problem, but I was way too sensitive. Until I realized we were different types, carrying a different triggers, scaring us to death. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas encore maquillée parce que on va se maquiller ensemble. Je vous avais dit que j'allais vous partager ma petite routine make-up. Du coup, commençons par le commencement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vous embarque dans une journée avec moi. J'avais envie, en fait, de vous partager des petites choses que j'essaye de faire, enfin, des petites choses que je fais au quotidien pour me sentir mieux, pour me sentir bien, pour me sortir un petit peu de cet état de déprime saisonnière, on va dire. Et du coup, je me dis que ça pouvait être cool de vous embarquer dans un petit vlog pour un petit peu changer. Un vlog blabla, on va discuter, je vais vous montrer ma petite routine make-up, on va cuisiner, on va sortir parce que je dois aller chez Action. Du coup, on va aller voir ce qu'il y a comme petite nouveauté là-bas. Et voilà, histoire d'un petit peu changer. Je vais commencer par me maquiller. Ce matin, la première chose que j'ai faite, après avoir déposé tout le monde des enfants et tout, j'ai été faire mon sport. Et ça, je voulais vous parler maintenant parce que je vous dis que je vais vous parler des petites choses que je fais au quotidien pour me sentir mieux, pour me sentir bien. Et bien, le sport en fait clairement partie. Et comme je vous l'ai dit, je fais du Pilates Reformer. Vous êtes plusieurs à me demander qu'est-ce que c'est du Pilates, pourquoi est-ce que tu dis Reformer, qu'est-ce que c'est du Reformer, pourquoi est-ce que tu dis Reformer? Parce que ce n'est pas que du Pilates, c'est du Pilates Reformer, c'est-à-dire que c'est du Pilates sur une machine. Je vais vous mettre l'image de la machine juste ici, et c'est juste incroyable. Je suis trop contente que ce cours m'est tombé dessus en fait en octobre, hein, parce que ça fait depuis octobre que je pratique ça. Tu dis bonjour Gaspille ? Gaspille ? Ça fait depuis octobre que je pratique ça, et pour celles qui m'ont demandé, je fais ça 4 fois semaine. C'est le premier sport de toute ma vie. Il faut savoir que j'en ai fait du sport dans ma vie, où je suis contente d'y aller, où ça me met en joie d'y aller, où je râle lorsque j'arrive pas à avoir une place parce que il faut s'inscrire. Parfois on est sur des listes d'attente. C'est vraiment des cours qui sont fort fort en demande, et c'est vraiment trop trop bien. Du coup, vraiment le truc, premier truc que je peux vous conseiller lorsque vous vous sentez pas bien, pour sortir un peu de cet état de déprime, c'est de bouger, faire bouger votre corps. Si vous n'aimez pas le sport, sortez, bougez, marchez dehors. Mais en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que avant, je pratiquais du sport pour faire du sport, pour maintenir une certaine forme physique et mentale, et entre guillemets, je me forçais à y aller, comme beaucoup de monde, je pense. Et je pensais que c'était ça. C'était un petit peu comme le travail. Avant, quand j'étais salariée, bah, je devais aller travailler, j'avais pas le choix. C'était comme ça, c'était la vie. Il faut aller travailler, point barre, quoi. Tu te tais et tu vas travailler. Pour moi, le travail n'était pas associé à plaisir, vous voyez. Et ben, j'avais la même chose avec le sport. Pourquoi je vous explique ça? Parce que si vous êtes encore dans cet état-là de vous dire « Je n'aime pas, je vais avec des pieds de plomb à la salle de sport », ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé le sport qui vous correspond. Je vous assure. Ça veut dire vraiment que vous n'avez pas encore trouvé le sport qui vous fait du bien. Parce que quand vous trouvez le sport qui vous fait du bien, et bien vous y allez avec grand plaisir et vous râlez lorsque vous n'arrivez pas à avoir votre séance. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je voulais vous dire. Parce que se forcer pour aller faire du sport ou se forcer pour quoi que ce soit, ça c'est no way, ça va pas vous sortir de votre déprime. Je sors tout mon make-up parce que j'ai pris ma douche à la salle de sport, j'ai fait mes cheveux là-bas, j'avais pris ma trousse de make-up pour me maquiller là-bas, mais après je me suis dit non, je vais rentrer à la maison pour faire mon make-up à la maison avec vous, comme ça je peux vous montrer les produits que j'utilise au quotidien, quoi. Du coup, je sors tout ça, ça en fait une ribambelle de produits de make-up. En fait, ça c'est vraiment l'hiver, parce que moi l'été... je mets quasi rien sur ma peau en fait l'été. Mais moi j'aime bien être bronzée, j'aime bien avoir bonne mine. Et en hiver, j'ai pas bonne mine, je suis toute blanche. Du coup, j'ai besoin de rehausser tout ça. Je pense que j'ai tout sorti. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'utilise et ensuite je vais appliquer ça sur mon visage. Voilà, je vais tout mettre dans l'ordre. Thank you.
Moi, je crois pas que je vais mettre du fond de teint, j'ai là. Je vais pas mettre de fond de teint. Mais je vais quand même vous montrer. Ici, tous mes petits produits de make-up que j'utilise au quotidien et que j'utilise depuis très longtemps. Parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis très fidèle aux marques que j'achète. Tant qu'on m'a pas apporté la nouveauté, ben je reste dans mon truc, moi. Je suis comme ça. Alors, pour le teint, ça, c'est le produit que j'aime trop. Je vous assure, il vous fait un... En fait, c'est un anti-cerne, mais c'est un petit peu un anti-cerne qui sert à autre chose que les cernes. Plusieurs facettes, cet anti-cerne, c'est que c'est aussi un correcteur. Donc, c'est un correcteur multi-usage, corrige, rehausse... Voilà, c'est écrit en quelle langue, là ? En anglais ou qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est vraiment pour faire les retouches, pour corriger, pour faire une touche de lumière, pour... ça a un effet multi-usage et j'aime trop. Et moi, ça vient de Too Faced, c'est Born This Way, et c'est la teinte Almond. C'est la teinte qui correspond à ma carnation, donc ça, je mets. Vous allez voir que maintenant, je vais juste mettre ça sous mon visage, et je vais étaler un petit peu le tout. Mais avant, lorsque j'en ai envie, hein, je mets le fond de teint ici, L'Oréal. True Match, c'est pas mon préféré, mais je l'avais acheté aux États-Unis. J'en avais acheté beaucoup, du coup j'en ai encore. Mais sinon, moi, mon préféré en fond de teint, c'est celui là. Je l'ai pas devant moi. Attendez, je vais vous le sortir. Voilà, ça c'est celui que j'utilise normalement. Il est aussi un petit peu clair en fait, c'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Mais normalement, je sais pas pourquoi j'ai. En fait, j'ai laissé le make-up artist me donner la teinte qui correspondait à ma carnation et j'aime pas parce que je trouve que ça fait un teint trop clair, trop poupée de cire comme ça et j'aime pas ça. Du coup, ça, c'est mon fond de teint préféré, le Studio Fix de chez MAC. Là, on a la teinte NC18. Mais voilà, je vous montre ça, j'utilise en ce moment, mais c'est pas mon produit favori. On va dire, de toute façon aujourd'hui je vais pas le mettre. Enfin bref, je parle trop, cette vidéo va durer 3 plombes. Pour le bronzer, la poudre bronzante, j'utilise celle de la marque Kiko. Elle est trop bien, elle n'a pas de sous-ton orangé, elle donne vraiment bonne mine en fait. Celle-ci, la poudre bronzante Flawless Fusion en teinte 07. Pour le blush, j'utilise celui de la marque Assam Beauty Satin Blush, c'est un blush rosé que j'aime beaucoup. Ça, je mets de temps en temps aussi, mais aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. La Minerila Skin Finish de chez Too Faced. Ça fait 10 ans que je l'achète, je pense. Medium Plus. C'est une poudre que je mets sur mon visage. Ça, de la marque CoverGirl. Ça, c'est des États-Unis. J'utilise. J'avais tout utilisé. J'avais quasi tout vidé. Mais il me reste encore le highlighter que j'aime beaucoup. Mascara, j'utilise ça. Il coûte pas cher et franchement, il fait des cils de fou. C'est celui de la marque Essence, le Crazy Volume, trop bien. J'aime bien mettre ça sur mes lèvres, ça j'ai déjà mis, mais c'est pour hydrater les lèvres, fallait trop que je vous le montre. Je pense qu'on en voit partout, moi je l'ai depuis un bon petit moment, ça prend du temps avant de le vider ce produit-là, alors que je le mets tous les jours. C'est un masque pour les lèvres, mais moi je le mets tous les matins. Pour tout ce qui est fard à paupières, j'utilise toujours celle-ci, de la marque Huda Beauty, la palette Nude Rich. Vous voyez que je l'ai quand même déjà bien utilisée. J'aime trop les couleurs de cette palette, elles sont ravissantes, j'aime trop. Et je fixe le tout avec ça. Vous pouvez trouver ce produit-là chez Action. J'aime trop fixer mon maquillage après. Bah, voilà, c'est tout pour mon petit make-up. Hein. Ouais, et ça, c'est pour mes sourcils. Mais on voit plus rien, j'ai tellement utilisé. Je sais même plus c'est quoi la marque. Je sais plus la marque. Ah, Catrice. C'est la marque Catrice, c'est pour mes sourcils. Parce que sinon, moi, j'ai des sourcils tout clairsemés, vous voyez. Ils sont pas très épais. Un peu comme mes cheveux. J'ai le poil fin, en fait. Parce que au moment où vous avez les cheveux fins, eh bien, vous avez tout de fin. Les poils sont fins. Les poils de sourcils sont fins. Les poils de jambes, j'en ai pas. J'ai pas de poils sur les aisselles non plus. Sur les bras, j'en ai un petit peu, mais je touche pas. On voit pas vraiment. Bon, ça, c'est l'avantage, écoutez. Cheveux fins, poils fins. Voilà. Je suis très bien comme ça. J'ai pas besoin de me rajouter des cheveux, vous voyez. J'aime bien en fait avoir des cheveux. Au final, des cheveux différents des autres. Quoi. Puisque moi, mes cheveux sont fins. Tout le monde n'a pas les cheveux comme moi. Et ça me va. D'ailleurs, en parlant de cheveux, ils ont tellement poussé. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'avais coupé, ils étaient genre là. Elle m'avait coupé, mais genre exagérément court.
Et du coup, ça m'a fait un petit traumatisme, je vous avoue, que je n'ai toujours pas été chez le coiffeur pour les recouper, parce que moi, ça c'est une longueur qui est un petit peu longue pour moi. Mais quoique, j'aime bien en fait. J'aime bien. Je dois juste un petit peu les renforcer. Histoire qu'ils prennent de la force, mais j'aime bien le carré comme ça. Mais après, quand je dis que je dois couper, c'est parce que ça, j'arrive à une longueur où ils commencent à sortir. Et à l'arrière, ils sont plus longs que devant. Là, ça va pas quoi. Allez, c'est parti. Maintenant, je vous ai montré mon make-up. Je vais me maquiller en vitesse. Voilà. Je vais remettre une petite musique. Sinon, ça va durer 3 plans. Make-up terminé. Par contre, j'ai les cils de ce côté-ci qui sont beaucoup plus longs que de ce côté-ci. J'ai dû insister en mettant du mascara. Je sais pas, mes cils sont tout cassés. Je pense que je dors trop. Ouais, je sais pas. Insister et ça me fait des tout petits cils. Regardez. Par rapport à cela. Bref. Un petit peu de spray. Et le make-up est terminé. Voilà, comme ça vous avez vu un petit peu les produits que j'utilise pour me maquiller. C'est les produits que j'utilise tous les jours. Donc voilà. Écoutez, là, let's go. On va aller se préparer un bon petit déjeuner. Il est 11h30, je commence à la course. Alors, pour le petit déjeuner tardif, hein, pour le coup, comme vous le savez, que je prends toujours mon petit déjeuner très 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 tard. Ça peut être midi et parfois je peux ne pas le prendre. Ou prendre mon petit déjeuner à midi, mais du coup je mange pas de lunch ou je mange vraiment à 15h. Enfin, je suis un peu en décalé, je fais pas comme tout le monde. Du coup, ce matin, j'avais préparé une pâte à pancake pour les enfants, une pâte à pancake healthy avec une banane, 100 g de flocons d'avoine, une petite cuillère à café de bicarbonate et un petit peu de poudre de vanille également. Et je pense que c'est tout. Ah oui, et un œuf. Qu'est-ce que je raconte ? Je pense que c'est tout. Et un œuf et du lait. Je sais pas exactement combien de lait j'ai mis, peut-être 80 ml. Quelque chose comme ça, ou 100 ml de lait, je sais plus, mais là la consistance doit être assez épaisse, vous voyez. Donc là je vais me faire ça, maintenant avec un petit peu d'huile, et je vais me faire couler par-dessus un coulis de framboise qui est déjà tout fait, que j'avais acheté chez Picard. On va le sortir maintenant du congélateur. J'avais fait un gâteau l'autre jour au yaourt et à la pomme. Oh, j'aurais dû vous filmer ça parce qu'il est trop bon. Il reste ça, j'ai fait ça avant-hier. Voilà, c'était pour les collations pour les enfants. Et il était vraiment très très bon. Du coup, il y en a encore, à mon avis, je vais en manger tout à l'heure. Je ne l'ai pas trop sucré. C'est vraiment sucré comme il faut. Ah, je vais rajouter du lait. Là, c'est trop épais. In a life you never could offer.
Un jour, je m'achèterai, voilà, pancake. Un jour, j'espère d'avoir des pancakes uniformes. Et voilà pour mes petits pancakes. J'ai trop hâte de me poser et de les manger. Du coup, ce que je voulais vous dire, comme on est un petit peu dans un vlog, on parle un peu de bien-être, c'est ne mangez pas n'importe quoi lorsque vous êtes mal. Parce que le fait de manger n'importe quoi, ça va empirer votre mal-être, je vous assure. Vous mangez que des crasses, ça va empirer votre mal-être parce que vous allez mal vous sentir. Et du coup, moi franchement, dans ces périodes-là, je peux pas dire que je mange 100%. En fait, moi je mange jamais à 100% clean. Je mange environ, on va dire, 70% clean, 30% pas clean. C'est comme ça que je fonctionne depuis très longtemps et que je me porte très bien avec ça. Mais c'est vrai que dans des périodes où je suis pas très bien mentalement et tout ça, si je mange des crasses, bah ça va m'enfoncer encore plus. Et du coup, ça c'est vraiment un truc que j'avais trop envie de vous dire, c'est manger de bonnes choses qui vont vous faire du bien, aussi bien à votre physique qu'à votre mental, parce que ben c'est lié. C'est lié. Quand on sort d'un fast-food, est-ce qu'on se sent vraiment bien physiquement? Non. Est-ce qu'on se sent vraiment bien mentalement? Non. On se sent juste bien au moment où on est en train de manger parce que c'est bon sur le moment même. Et après, bah, on se sent pas en forme, quoi. Quand c'est de temps en temps, il n'y a aucun problème. Même moi aussi, je mange des fast-food et tout ça. Je ne veux pas vous dire qu'il faut absolument pas en manger. Mais c'est vrai que dans des périodes où on n'est pas spécialement en forme, il faut quand même privilégier la bonne nourriture, quoi. Du coup, là, ce sont des petits pancakes au flocon, comme je l'ai dit, flocon d'avoine, banane, un petit coulis de framboise, un petit purée d'amande par-dessus. Juste avant, j'ai bu mon petit café. Et voilà, parce que moi, le café, bah, ça m'apporte... ça me fait du bien, j'en abuse pas. C'est vrai que je vous filme souvent mes cafés, tout ça. Alors, on a l'impression que j'en bois 50 dans la journée, mais pas du tout. Je bois 2 cafés par jour, maximum, voire 3. En général, le troisième, c'est souvent un déca. Mais voilà, parce que moi, le café, c'est mon petit moment de plaisir. C'est pas le matcha, mon petit moment de plaisir, c'est le café. Et je n'arrive pas à sortir de là. Si vous avez des astuces pour sortir de ce moment, de cette addiction au café, dites-le moi en commentaire. Même si je pense que le café, en soi, si on n'en abuse pas, c'est pas non plus méga mauvais pour la santé. Et aussi, il faut acheter du bon café de qualité, ça aussi. Donc voilà, là, je vais me poser, manger mon petit déjeuner et je vous retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai mangé mon petit déjeuner, ça fait déjà un petit moment. Et j'ai aussi commencé le montage directement des capsules que j'ai filmées juste avant, parce que je filme le mercredi et la vidéo doit sortir normalement ce soir, tout simplement parce que ce que j'ai filmé en fait les deux derniers jours, j'avais fait une vidéo et j'aimais pas du tout, et j'avais pas envie de vous mettre un blanc pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je m'avance en fait pour chaque fois avoir du contenu à l'avance. Ce vlog ici, j'avais prévu de le filmer normalement, j'avais prévu de faire ce genre de vidéo pour dimanche, mais en regardant un peu ce que j'avais filmé les deux derniers jours, j'avais pas du tout le rendu. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tant pis, le vlog que tu es en train de filmer aujourd'hui, tu vas devoir monter dans la journée et poster alors le soir. Donc j'espère vraiment que la vidéo va... bah, que tout va bien se passer, que ça va, que vous allez quand même apprécier ce petit vlog blabla. Moi j'aime bien, ça change en fait, on va dire. 13h19 exactement, on est mercredi du coup. J'hésite entre préparer le repas déjà maintenant, sachant que ce soir j'ai prévu de faire des burritos à la viande, et du coup, ouais, les burritos c'est bien quand même de faire dernière minute, mais est-ce que je préparerai pas déjà la préparation maintenant? Sachant que juste après, je dois aller récupérer Liam, que je dois faire un petit saut chez Action et aussi aller prendre, acheter mes lentilles parce que je pense qu'il me reste qu'une seule paire. Et Fadi, il n'en a plus non plus. Du coup, je me dis, je fais une pierre deux coups. Le magasin, l'opticien, c'est juste à côté du Action. Mais j'ai récupéré Liam avant parce que Dylan, lui, il a sa crèche près du boulot de Fadi, en même temps près du centre commercial où je vais aller. Donc, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que je vais vite préparer maintenant la viande pour ce soir, la préparation, comme ça. Alors ce soir j'aurai juste à faire les burritos vite fait en dernière minute,
Mais le truc qui m'embête aussi, c'est que la viande, après, ça pue. C'est juste, mes cheveux vont sentir mauvais, quoi. Et mes vêtements, et j'aime pas cuisiner quand je suis habillée. Enfin bref, trop de blabla, tu le blabla. je vais aussi ranger, parce que j'ai même pas encore débarrassé la table du petit déjeuner des enfants de ce matin. Vider la vaisselle, ouvrir la vaisselle, laisser un petit peu aérer. J'ai encore des linges, plein de linges dans la buanderie qui m'attendent, mais ce sera pour demain ça, parce que je vais encore lancer un nettoyage de tambour. Hier j'ai lancé un nettoyage de tambour de la machine, j'ai suivi vos conseils. J'ai mis vinaigre, j'ai mis aussi le produit anti-moisissure là de chez Action, topissime. Ça a quand même bien décrassé, tout n'est pas parti mais j'avais pas dû frotter, mais j'ai vu que ça a quand même décrassé et je vais le refaire alors aujourd'hui. Voilà, et c'est parti les amis, on va commencer à préparer le repas du soir, ranger, préparer le repas du soir. Et comme ça, je vous partage la recette en même temps. Ouais, pourquoi pas. Alors, je sortis les différents ingrédients pour le repas de ce soir. Des burritos à la viande. Du coup, on aura besoin de viande hachée. Combien c'est ? Au niveau des quantités, combien on a ici ? Ouais, 350 g de viande hachée. Un oignon. Des poivrons. Donc, moi, j'ai toujours des poivrons congelés. Une boîte de tomates pelées. Une boîte d'haricots noirs. Au niveau des épices, on aura besoin de paprika, sel, poivre, gingembre. J'aime bien aussi mettre de l'ail, mais je n'en ai plus. Enfin, en poudre, j'ai pas envie d'en couper là maintenant, parce que je suis pressée. Et on aura aussi besoin d'huile d'olive pour cuire le tout. C'est parti. On commence par faire revenir les oignons 3-4 minutes, jusqu'à ce que ce soit légèrement translucide. Là, j'ai rajouté les poivrons et je vais laisser cuire plus ou moins 3 minutes à feu moyen. Alors, maintenant, je vais rajouter la viande et les épices. J'augmente le feu. Paprika. Oh, j'en ai quasi plus du sel. Un peu de gingembre. Un peu de poivre. Bon, comme j'ai pas assez de paprika, je vais rajouter ce petit mélange d'épices mexicaines. Je sais qu'il y a du paprika dedans fumé. Il y a un petit peu de piment, c'est pour ça que je ne veux pas en mettre trop, parce que bah, les enfants en mangent quoi. Je vais en mettre un tout petit peu. Mais ça apporte bon goût, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a du cumin aussi. Cumin, paprika, piment, paprika fumé. Voilà. Mais ça parfume vraiment parfaitement bien ce plat quoi. Je vais mettre, vous savez ce que je vais mettre, je vais rajouter du curcuma. Je ne vais pas mettre trop de mélange d'épices mexicaines parce que ça pique trop. Ensuite, j'ai laissé cuire la viande et les poivrons pendant plus ou moins 10 minutes. Et ensuite, j'ai rajouté les tomates pelées dedans. J'ai bien mélangé, j'ai mis le couvercle et j'ai laissé mijoter à feu doux pendant, on va dire, plus ou moins 15 minutes. Et c'était prêt. Et vous accompagnez ça de pain burrito, un petit peu d'avocat, façon guacamole, et c'est juste délicieux. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui, moi personnellement, me fait trop du bien mentalement. C'est un moment que j'aime particulièrement dans la journée, c'est lire un livre, tout simplement.
Je parle pas maintenant, moi personnellement j'ai saturé de tout ce qui est livre de développement personnel. J'ai mes phases, j'ai des phases où j'en raffole, j'ai des phases où je ne peux plus les voir en peinture comme maintenant. Dans ce moment-là, je privilégie alors les romans vraiment légers quoi. On n'a pas besoin de réfléchir, on lit juste l'histoire et on est captivé et c'est ça que j'aime trop. Et l'autre jour, je suis tombée sur un magasin trop. Oh, je suis trop contente d'avoir trouvé ce magasin-là parce que ce sont tous des livres, je pense que ce sont des anciennes collections et que du coup, les livres sont bradés. Mais genre, ils coûtent vraiment pas cher du tout. Je vous les montrer juste ici parce que je vous ai filmé l'autre jour, j'en ai pris 3. Dans ce magasin ici, Bibliopolis, vous avez tous des livres bradés parce que ce sont des anciennes collections. J'ai acheté ce livre aussi, je sais qu'on n'est pas dans la période de Noël, mais j'ai craqué parce que j'avais envie d'un... J'aime bien moi les livres de Noël et tout ça, des romances, des livres un petit peu cuculapraline on va dire. Et je suis tombée sur ça, il coûtait 6,95€, autant dire que ce genre de livre, normalement ça coûte, bah regardez, 17€, donc c'est trop avantageux. J'ai commencé à lire hier soir d'ailleurs, il est trop bien. Donc vraiment pas cher, 6,95€. J'ai pris ça pour faire des activités avec Dylan, des ateliers Montessori. Voilà, je le trouvais vraiment très bien. Il a coûté 9,95€. Et normalement, il coûte combien ce genre de livre? 17,95€. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Il y a quand même une bonne réduction sur chaque livre. Mais c'est pour faire des activités à la maison parce que, bah, en fait, je vais bientôt l'enlever de la crèche. Et du coup, je voulais un petit peu me renseigner sur tout ce qui est activité Montessori, atelier créatif à faire à la maison avec des tout petits. Et donc je suis tombée sur ce livre et je m'étais dit que j'allais le parcourir, le lire pour commencer à faire des activités avec lui à la maison puisque je vais l'avoir avec moi et que donc il va falloir l'occuper. Hein, si vous n'aimez pas du tout lire des livres, alors écoutez des livres audio. Je vous ai déjà parlé d'applications qui proposent des livres audio vraiment pépites. L'application Next Story, je ne suis plus du tout en collaboration, c'est plus du tout une collaboration là que je fais avec eux, mais je vous en avais déjà parlé, il y a Next Story qui fait ça. Il y a d'autres applications qui proposent aussi des livres audio et c'est franchement, c'est hyper pratique quand on n'aime pas lire des livres papier. Moi je suis entre les deux, j'ai mon moment où je me pose et je lis mon livre papier, souvent le soir en fait, avant de dormir. Et j'ai des moments où j'écoute des livres audio quand je suis en voiture, quand je suis aussi en balade, en extérieur, j'aime beaucoup... écoutez du coup et voilà, je trouve vous partager ce petit conseil ici qui je pense sera le dernier conseil pour cette journée. Ah non, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est mon dernier conseil pour cette vidéo sinon elle va durer trop longtemps, c'est de prendre soin de vous physiquement. Moi après ça c'est assez personnel comme conseil parce que ça dépend de chacun, mais je reste quand même persuadée que lorsqu'on se lève le matin et qu'on s'apprête, on est plus productif et on se sent mieux après. On a ça nous procure quand même un certain bien-être, on va pas se mentir. Si on se lève le matin et qu'on travaille de la maison mais qu'on reste en pyjama affalé sur le canapé, ça va, c'est pas ça qui va venir nous booster, vous voyez, dans notre mental. Moi personnellement, le fait de m'apprêter, je parle pas spécialement de me maquiller parce que je me maquille pas tous les jours, mais d'être fraîche, d'être propre, d'être habillée, bah ça m'aide énormément mentalement. Et quand je ne le fais pas, c'est que je suis dans ma mauvaise période. Et on voit directement quand je suis dans ma mauvaise période. Ah, le four est en train de sonner. C'est que je ne suis pas apprêtée du tout. Du coup, mon dernier conseil pour cette vidéo, c'est vraiment prenez soin de vous. C'est hyper important pour votre santé mentale, vraiment. Donc voilà, je vais couper ça et je vais vous dire un dernier petit mot. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Sinon, elle va être beaucoup trop longue. Je vais aller chez, je vais sortir maintenant récupérer Liam à l'école. Je vais faire un saut comme je l'ai dit chez Action, tout ça. J'aimerais aussi acheter des fleurs pour mettre sur le vase ici pour changer un petit peu parce que là les couleurs automnales c'est bon, j'ai ma dose. Du coup on va un petit peu apporter un peu de gaieté ici à la maison avec des couleurs que j'aime beaucoup, le mauve, le rose, tout ça. Je vais filmer chez Action comme les nouveautés, mais à mon avis ça fera l'objet de la prochaine vidéo qui sera très printanière pour le coup. Faut quand même que je nettoie mon balcon. Ouais, ce sera pour la prochaine vidéo, sinon celle-ci va être beaucoup trop longue et vous n'allez pas vouloir la regarder jusqu'au bout. Là, voilà, j'espère vraiment que ça vous a apporté un petit coup de boost, que ça a pu aider certaines personnes, je sais pas, c'est un petit peu des conseils basique on va dire, mais peut-être que ça a aidé
l'une d'entre vous, et je l'espère fortement. Donc voilà, je vous dis à dimanche, 10h pour une prochaine vidéo. Bon, jusqu'à là, portez-vous bien. Bisous! We will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside just for a while. Some way we will be fine, safe place, just you and I. Oh.